Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de War of Final Fantasy. Et la dernière fois, on s'était laissé devant ces ailes de dragon gigantesques. C'est parti. Allons nous faire poutrer. Nechan, kore nan no to? Oh mon dieu, le gros dragon! Jamais tu ne mourras. Ah mais il est plus petit que prévu. Mais on va voir comme acuité pour voir la vie qu'il a. Mais il est plus petit que dans la cinématique, c'est trop décevant. Oh, il a que 10 000 points de vie, on a fait pire. Ça dépend de ses coups en fait. J'ai pas l'attaque de glace ou d'eau, de toute façon, toujours le même souci. Oh, un petit critique. Bah, calme-toi bien. Capture-le, on me dit. Mais non! Ça va être compliqué, je pense pas qu'il soit capturable vu que c'est un boss. Mais il est plus grand quand même. Il est quand même plus grand que les ceux qu'on a capturés, mais c'est pas ouf. Hein. Ah, encore un critique. Non, elle est forte en critique, elle. Hein. Et on va commencer à soigner quand même là, parce qu'on va pas non plus faire n'importe quoi. Ouais, bah on va se calmer quand même, j'ai dit. Bra. Bon, au niveau stratégie, pour l'instant, on n'est pas là. Hein. On n'y est pas. Mademoiselle soigne. Oh, mais oh, les critiques, là, ça va, oui? Schlack. Alors, j'aimerais faire quelque chose. Objet. Je pense qu'on va soigner. Avec des potions, tout ce qu'il y a de plus banal. Je sais pas qui c'est qui a moins de vie. Ah ouais, j'ai eu le pif. C'était lui. Attention. Elle aussi, elle va soigner avec une petite potion. Parce que mine de rien, les potions, ça soigne mieux, je crois. Hein. Enfin, j'ai un doute. Finalement, j'ai un doute. Mais je me laisserai pas faire. Allez, allez. Non, la petite... Non, faudrait pas qu'on tombe, par contre. Hein. Oh, alors, le critique. Oh voilà, j'ai fait une réplique de son coup. Pas vraiment une réplique, mais on lui a fait mal quoi. Un contre-sort. Non, elle est morte. Super potion. Genre, on va soigner machin. Avant que tout le monde ne meure. Mais les extra-feux, c'est fini. Objet. Méga Phoenix. Oh. J'en ai que... Mega Phoenix? Ça rend tous les PV. Ok, Mega Phoenix. Je tente le Mega Phoenix. On reforme la pyramide. C'est bon. Je vais te faire des coups, moi, tu vas voir. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. Par le pouvoir de la dague feuille. Ça fait pas beaucoup plus de dégâts. Hein. 288 et là, je suis 277. Mange! Mange! Il a combien de vie encore, sérieux? Aïe! Soin! Putain, il a failli tuer tout le monde tout à l'heure en un coup, quoi. J'ai même pas compris comment. Compétence. Coup dans ta tronche! Elle fait beaucoup de vie, c'est bon. Ça, il commence à. Il est essoufflé. Non! Non! Objet! Est-ce que j'ai un truc qui rend tous les PV? Je pense pas. Donc on va faire méga potion. Non, pas méga électrique. Ah, mais la super potion. Pour tout le monde. Voilà. Pareil pour elle. Super potion. Yeah!
J'espère qu'il va pas le refaire parce que par contre là je risque de très mal le prendre. Mais vas-y, mais manque tes coups à un moment donné, on s'en fiche. Oh là là, mais tiens. Un critique. Non, non, fais pas ton attaque de fou là, voilà. Je vais refaire une petite potion normale. Au cas où s'il refait son attaque de taré. On retape. Par contre, arrêtez de taper dans le vide. Ça m'arrangerait. Refais pas ton attaque, je t'en supplie. Oh, on n'est pas mort. Mon dieu. Mon dieu, mais on va mourir. Vite, vite, vite. J'ai plus de potion. J'ai plus que super potion. Heureusement qu'il le fait pas tout le temps à son coup. Hein. Objet. Super potion. Moi d'abord, mange. Non mais c'est bon, tu nous as déjà tués. Brrr. Mais t'as combien de vie, sérieux? Oh, il a plus de vie là, c'est la fin. Attaque. Yeah. Ha ha, dragon. Tu fais moins le fier. Ok, à la prochaine, démon ange. Je sais pas si tu t'en vas. Alors, on fait moins le fier. C'est-il fin? あ、そんな場合じゃなかった。今のうちに早くこっち。あの2人が危険となり、アプリカントが次々と目覚めている。青の予言の通りということか。 しかし、セイバーが何人生まれようと、世界の断りは何も変わらぬ。断りを変えることができるのは、誠なる王の力のみ。赤き予言の成就。セクトシオ、異論はないな。ええ。ton secret。 でも無事でよかった。あそこら辺は見ての通り、やたら大きなドラゴンが住んでるの。だからここらの人は寄りつかないんだけど、いつもより騒がしくて人の声も聞こえたから。ほんと助かったよ。でもさっきのパンチすごかったな。あ、あれ？多分マグレかな。え？さっきのやつって師匠の技なんだけど、今まで一度もできたことなかったから。 私はここから北にあるニブルヘイムに住んでるの。よかったら後で寄ってね。 Yannibelem. Wow, l'insigne de Tifa est désormais disponible. Vous pouvez l'acheter à la jeune fille qui a oublié son nom. Super. Sauvegarder, oh oui. Quand même, on a eu le boss. Bon, il était pas super dur, mais il a quand même fait un coup assez... qui piquait. Qui piquait les fesses. Qui piquait le cul. C'est à vous de voir. Mais il y a Nibelem, juste enfant. Et du coup, la musique, c'est ça la musique, c'est Nibelem? J'ai du mal à entendre. En tout cas, c'est classe. Il y a Nibelem là-bas. Oh, oui, on va aller visiter Nibelem en beau. Tifa, je préfère son dessin. Ah. Mais il y a Midgar à côté aussi. C'est incroyable.
On va l'éviter tout ça. Je sens qu'on va... On va rencontrer bientôt Cloud. Le beau Cloud.意外と綺麗な街。だけど、なんだ?なんか変じゃね?何が変なのかわかんねえけど。ここでは私たち、あんまし喋らない方がいいかも。なんで?それは、あ、なんとなく!あ、わかった。頼むだぞ。了解なのです。 Ouais. Ce serait cool que les persos parlent en français. Ouais, bah oui, mais sauf le problème que c'était soit anglais, soit japonais. Donc je préfère le japonais. Ils ont pas fait de traduction en français. Français. Alors faut qu'on passe inaperçu. No problemo. Haha. Me voilà en petit perso. Bonjour. Nana. 幻の砂漠にすげえ素早く動くミラージュがいるの知ってるか?今度そいつと徒競走で勝負したいと思ってんだけど、相手はミラージュだろ?もし攻撃されたら怖えから、とりあえずそのミラージュがどんぐらい強いか見てきてくれよ。相手はサボテンだってミラージュだ。何匹か倒したら強さもわかると思うから、頼むぜ! Il parle de Golden Saucer là, non? Éliminer 300... Ouais, oui, pourquoi pas. On a accepté une quête. Si on peut le faire, on le fera. Où est-ce que je dois aller, du coup, moi? Je vais retrouver Tifa, mais elle est partie où? Les voix originales sont toujours... Bleh. C'est toujours les meilleures. Bah si, regardez, Kingdom Hearts, c'était quand même... C'était du bon doublage, quand même. Faut bien l'avouer. Faut bien l'avouer. Ok, j'ai pas le droit d'y aller, Je dois aller où alors du coup? Où est-ce que je dois aller? Me dis pas, faut que j'aille tuer des pampas. Des petits pampas? Eh, y'a un bouquin là, c'est quoi ça? On peut pas le prendre, d'accord. Pendant une seconde, je me suis cru dans Kingdom Hearts. On va voir. Dans Skyland Dur. Oui, cache, c'était parfait, vous voyez. Mais sérieusement, je l'ai où? J'ai parlé à celui que j'ai... Ah, par là, peut-être? Non. Bon, on va aller à... À Midgar. Je vois que ça. Ou alors, on va là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pensez? On va aller voir Midgar. C'est vrai qu'on pouvait faire une quête avec la fille qui a oublié son nom, là. Mais... Je vais quand même aller voir. C'est la ville d'Adgartal. C'est bizarre parce que... Bon, bref. On y va. Bla, bla, bla. On va peut-être faire le truc du scarier d'ailleurs pour le nouveau perso. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nos nouveaux persos d'ailleurs qui devraient le faire, mais pour l'instant on va faire ça. Parce que c'est quand même... Il a l'air pet taille. Allez hop. Souffle ardent. Il fait que des attaques de feu lui par contre. Hein. J'ai le bonus de force. Bonus de précision. Voici. Et le bonus de magie. Ça coûte 3. Ça coûte 3. Et l'autre, ça coûte 3. Bon, on va rester là. Et ça coûte 3 aussi. Ok. Qui c'est que j'ai sur la tête encore? Ah bah, j'ai aussi augmenté la main. Fap, fap. C'est pour ça qu'on faisait pas mal tout à l'heure, dans le dernier épisode. Fais toute la quête avec une fille qui a oublié son nom. Sinon, j'aurais la bad end. Ah, d'accord. Ok, bah je le ferai. TKT. Bonus de PV. Coup modéré. Voilà. Là, je pourrais lui donner une attaque en plus. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? On va lui mettre une noix de... Une noix de Saint-Jacques. Un autre soin. Parce que vu qu'on a plus le chocobo sur la tête. Voilà. Et fuite impossible, ça pourrait empêcher des zones de fuir. Bonus de coup critique ou bien encore un autre truc où je peux mettre des choses. Donc on fait quoi? Griffe venimeuse, ça s'en fout ça. Bon, bonus de coup critique. Voilà.
Et je sais plus qu'est-ce qu'on a sur la tête, qu'on est tout petit. On a le petit chihuahua. Chihuahua. Un super dash. Assaut. Voilà. Bonus de force ou bien bonus de PV. On va prendre les bonus de PV. Parce que plus t'as de PV, moins t'as de chance de mourir. Ok, c'est parti. Et c'est bon. Ouais. Allez, on fait comme ça pour l'instant. Le reste, on le fera hors vidéo. Et du coup, on va quand même aller. Ah bah voilà, c'est là-bas qu'elle habite. Nibelheim ? Mais c'est Nibelheim ? Ah mais ça ressemblait à mort à Midgar. Le rouge et le bleu. Ah ouais, j'ai cru à mort que c'était Midgar, ça ressemble tellement à Midgar. ちょっと待って。ここは鎖が見えないな。じゃあ、コーネリアと一緒で連邦に加盟してないってことね。だな。てか、コーネリって。もしかしてもう忘れたとか?また会えたね。で、いいんだよね。あ、すごいパンチの。 また会いましたね、ティファさん。こんにちは、ナノです。こんにちは。ね、聞いていい?ミラージュを連れたオービトさんは何をしに、このエリアに来たの?そっか、まだ話してなかったね。ノミアレで誰でやるもんやかみさん、心配さ。よかった。戻ってからもしかしたら、バハムート軍の悪い人たちを助けちゃったかなって思って。 そういえば、よくバハムート軍と間違われるのって何でだろう。そりゃ、ミラージュを使うオービトなんか、大きな軍にしかいないってことじゃない?うん。今はオービトの、それもミラージュ使い、なんて言ったら、バハムート軍ぐらいしかいないと思う。昔オービトが住んでいたエリアも、とっくにバハムート軍のものだって話だし。マジか。でもね、最近はみんな予言の話をしてるから、 そこに書かれてるお宝のオービトも有名だよ。何にしても有名なのね。それで炎の谷に行きたいんだっけ。今のところ手がかりはそれしかないから。炎の谷か。名前はみんながしてても、それがどこを指すのか誰も知らない場所。どういう意味だ。炎に包まれてる谷自体はこのエリアにいっぱいあるの。でもその中で 予言が示す谷がどれなのかは誰も知らないってこと。あ、そうだ。ちょうどそれを調べてる召喚士が街に滞在してるの。会ってみる?Attendez la musique. Pipi pipi pipi. Alors attention. Ah, c'est ici qu'on doit aller voir. On doit aller voir là. Eh, elle aussi elle est connue. この人たちがそのお宝のオービトよ。 もうそれでいいです。はじめまして。私、召喚士のリディア。リディア。まさかあなたたち、悪い人なんじゃ。へえ。ミラージュを普通に連れてたり、やっぱり同じ召喚士だから、ユウナと少し雰囲気が似てるな。え?ユウナ姉様の知り合いなの?少し前。 上の大陸で会ったの。その時にいろいろ教えてもらったよ。ここに来るきっかけを作ってくれたのはユーナなのです。ああ。じゃあ、やっぱり悪い人じゃないのかも。よしよし。この二人、ユーナ姉様の知り合いなんだって。だから大丈夫だよ。とりあえず、ね。それだけ、いや、その時、この手もね。 それであなたたち、予言に書かれている4つの鍵を探してるの? まあ、そのうちの1つが炎の谷にあるって聞いて、ここまでね。でも、その話って赤の予言でのことよ。赤の予言?もしかして、予言にも種類があるの?
そうよ。もともと予言って言ったら青の予言を指してたの。その中だと4つの鍵は4つの印って書かれて、すごく抽象的なもので。青の予言は異端なり。な、何よ突然。青は異端、赤こそが聖典であります。はぁ、あなたも召喚師であるならクリスタルの塔への導きを求めなさい。赤の予言に記されています。ミラージュを連れし選ばれし者、4つの鍵を手に入れたり、そしてクリスタルの塔より天に昇り、神より永遠を授かれり。導きの道が見えているのなら鍵は見つかるでしょう。赤の予言に従い進みなさい。最近ああいうのが増えてきた。本当多いよね。暴力とか犯罪とは無縁なんだけど、ちょっと怖いよね。だいたい青の予言は召喚師の神祖様が残した予言書よ。その後にできた赤の方がただのバッタモノだよ、バッタモノ。でも今はみんなそっちを信じてるから。そうなのよね。だから私もそれを調べに来たんだけど、そういえばあなたたちはなんで予言の鍵を探してるの？それはアーナルース様があなたたちの母親と同じ名前だから、見つかりバハムート軍の居城を。そっか、もしあなたたちが予言の帯となら、予言の通りに進めばそれが目的地かもってこと。ええ、まあそもそも私たちミラージュを集めて前に進めば家族に会えるってある人に言われて。何にしても私もその予言の真偽を調べている身として、炎の谷には一緒に行った方が良さそうね。というか一緒に行ってくれるとちょっと助かるし。助かる？ううん、こっちの話。じゃあ行きましょう。行きましょうって、炎の谷の場所わかるの？もう調べはついたわ。炎の谷の場所はバブイル7番目の谷、セブンスバレーよ。ビリ、じゃあそのなんとかかんとかに向かおうぜ。ビリ、ついに一文字も覚えないの？Bon, une autre quête là?Je dirais oui, donc tu peux pas tant que tu veux. Je vais aller faire quoi d'autre? L'objectif c'est livrer 3 écailles de dragon. Vous avez rempli les objectifs de le cadeau d'anniversaire. Je les avais déjà en fait, les écailles. Vous recevez des noix de berserk en récompense. Vous avez accompli la quête annexe, le cadeau d'anniversaire. Mais écoutez, ça me rend heureux, hein, je suis heureux comme tout. À la prochaine, des monges. Bah voilà. Donc faut qu'on s'en aille. Il n'y a pas d'étoiles, donc c'est ça que c'est un peu perturbant. Bon, en tout cas, on en apprend un petit peu plus. Hein, des prophéties, voilà, il y a des fanatiques et tout ça. Bon, voilà. Il y a deux prophéties différentes maintenant, mais la vraie, c'est celle, bien entendu, de l'azur, parce qu'elle était faite avant. L'autre a été inventée de toutes pièces. C'est l'invocatrice qu'une alien, elle nous suit, donc c'est qu'elle est pas méchante. J'aimerais bien faire le combat avec en tant que petit. Comme petit. Qu'un tout petit. Ah, j'avance dans le vide depuis 10 ans. Ouais, 5 secondes, mais quand même. Ouah, c'est beau! Il va y avoir Ifrit. Et de la maillot. Ah! 7ème vallée. Un très beau décor au passage. Et on pourrait aller là-bas. Bon, il y a une ouverture, donc si on meurt, c'est nickel. Ça fait combien de temps qu'on a commencé l'épisode? Ça fait à peine une demi-heure. Parce que si on commence le donjon, voilà quoi. Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
De toute façon, il y a beaucoup d'épisodes toute la journée, donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc, j'espère que ça vous a plu. Le deuxième petit commentaire, tout ça. Et bien entendu, partagez. Parce que ce jeu en vaut la chandelle. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao.